Good morning, Aleiden. Les tues aujourd'hui le Nishmat Avram Chayner Ber Ben Fortune Mazali Edida Batester Chaya Bat Tover Achamim Ben Rosa. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, profitez de 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Bechorot, Perikret Mishnachet, En Podin, Lo Ba'avadim, Velo Bishtarot, Velo Bekarkaot, Velo Behegdeshot. כתב לכהן שהוא חייב לו חמש סלעים, חייב ליתן לו ובנו אינו פדוי. לפי כך, אם רצה הכהן ליתן לו מתנה רשאי. המפריש פדיון בנו ועבד, חייב באחריותו שנאמר, יהיה לך ופדו תדה. Trois sujets dans notre Mishnah. Dans la Mishnah précédente, on avait appris que la Torah m'impose, lorsque j'ai un premier-né qui a ouvert la matrice de sa mère, c'est la première fois qu'elle a accouché, même si c'est ma cinquième femme même, cette fois-ci, c'est la première fois qu'elle va accoucher. Elle va accoucher un garçon, par accouchement naturel. Eh bien, on a la mitzvah de Pidyon HaBen. Après les 30 jours, il faut racheter la Kedusha du Bechor. C'est un Bechor pour le Pidyon HaBen. Il faut lui racheter la Kedusha en payant 5 slaïm, 5 pièces de shekel d'argent, qui sont les shekels de l'époque. D'accord ? On avait appris la quantité en grains d'orge. On avait appris à la fin de la mitzvah précédente. Qu'on peut aussi, on n'est pas obligé de payer des pièces d'argent. On peut aussi payer en shvekesef, en une contre-valeur d'argent. C'est-à-dire, je peux lui donner des livres qui ont la valeur, je peux lui donner des chaussures, une caméra, une montre, ce que vous voulez. On peut payer aussi en shvekesef, contre-valeur. Quelque chose qui vaut de l'argent, même si ce n'est pas de l'argent concrètement. À quatre exceptions, trois exceptions près plutôt, qui vont être en podin, on ne rachètera pas l'obab adimni avec des esclaves. C'est-à-dire, si je veux dire, c'est quoi, je dois te racheter le Pidyon HaBen, tiens, mon esclave, il coûte 500 shekels, prends-le. Je ne peux pas lui faire ça. Mais gamme l'obishtarot, mais l'obishtarot ni avec une reconnaissance de dette. C'est-à-dire, si j'ai Reuven qui me donne de l'argent, il m'a fait un chèque. Donc avec ce chèque, maintenant, surtout en Israël, vous savez, on peut faire passer les chèques. Pas comme en France, où on est limité par l'ordre. Ici, je peux partir. Bon. Donc, une reconnaissance de dette, c'est le même principe. Selon la Torah aussi, on peut... je peux, si Reuven il m'écrit qu'il me doit 1000 shekels, et moi je peux donner ce shtar à quelqu'un d'autre, je lui donner concrètement une valeur d'argent. Mais seulement, malgré tout, je ne pourrais pas racheter le Pidyon HaBen en lui donnant au Kohen ce shtar. Velo, Bekarkaot, on ne pourra pas non plus racheter le Pidyon HaBen avec un karka en disant au Kohen, écoute, viens, je te donne une petite parcelle de mon terrain, je te le fais en cadeau, Pidyon HaBen, tu prends mon petit champ, mon petit. D'accord, mon petit terrain, et je te rachète le bechor avec, et ben je ne peux pas faire ça. Et lo behegdeshot, et idem, toutes ces choses-là ne marcheront pas lorsque tu voudras faire un hegdesh. J'explique un petit peu mieux, vous avez vu qu'il n'est pas aligné avec les autres, c'est-à-dire, dans plein de halachot, de la Torah, c'est très fréquent, moi dans Shavuot, elle rallonge beaucoup, il y avait même une Mishnah explicite qu'on avait appris, où finalement on remarque dans plein de domaines de la Torah l'insistait. Dans les chot shomrim, les chot shvua, gneva, vaveda pour payer le kefel, pour payer le double. Plein de choses où la Torah a insisté lorsque tu donneras des ustensiles à garder à ton copain, à ton voisin. Ou encore, toujours on va, la Torah, elle va préciser la fameuse règle de klal ou prat ou klal. En nous précisant en fait, pour nous apprendre quelque chose qui est d'avoir chez Mitaltel vegufo mamon, quelque chose qui a une valeur intrinsèque, à exclure le shtar. Des gouffres mammon et qui est d'avoir mis ta telle, excusez-moi, d'avoir mis ta telle, c'est quelque chose qui est mobile pour exclure le karka, et des gouffres mammon qui a une valeur intrinsèque à exclure un shtar. C'est des choses qu'on va exclure constamment de partout. Si j'ai volé un terrain à quelqu'un, je ne devrais pas payer le kefel. Si il m'a donné un terrain à garder, à surveiller, quelque chose qui n'a pas de dommage par exemple, et que j'ai manqué et que je dois maintenant lui apporter des preuves que ça a été Bayonès, je ne pourrais pas jurer parce qu'on ne jure pas sur un karka. Idem aussi s'il m'a donné un shtar, une reconnaissance de dette. Ouais, d'avoir mitaltel et gufo mamon, quelque chose qui se. Mitaltel qui est mobile, et gufo mamon et qui a une valeur intrinsèque, à la différence du shtar qui n'a pas de valeur intrinsèque. Aujourd'hui il y a marqué qu'il me doit 1000 shekels, je peux partir le refiler à quelqu'un et lui il va être content que maintenant il va recevoir 1000 shekels. Le jour où je vais le voir, je vais lui dire bon, allez, je t'annule la dette, bah c'est fini là. Ça s'est évaporé, il ne reste plus d'argent dans le shtar. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose qui est gouffo mamon. Et après, bon, on déduit aussi l'esclave, il est en rekesh, il est juxtaposé avec le karka. Donc, en fait, ces trois choses-là, en l'occurrence, on les retrouve de nouveau. Je peux faire le pidyon HaBen en lui payant avec de la contre-valeur d'argent, mais je ne pourrais pas lui donner ces trois choses-là
Eved, Karka, Ishtar. D'accord ? Ceci déduit d'un klal au protoklal, regardez dans le Tosot Yom Tov, où tu yav, ben trodesh klal, berkecha, kesamet rechalim, prat, tifde, chazar ve kalal, klal au protoklal, yatadana kana prat. Et voilà. Et la Mishnah continue en disant aussi les Hegdeshot. Lorsque tu vas vouloir acheter un Hegdesh, tu peux, si j'ai sanctifié mon livre, alors après je vais devoir le racheter. Je vais pouvoir le racheter si je veux le récupérer. En lui donnant l'argent, je peux aussi donner la contre-valeur, mais je ne pourrais pas donner ces trois choses-là. Evet, Karka et Shtaot. D'accord ? Fin du premier sujet. Deuxième sujet de la Mishnah maintenant. Katav la Kohen, c'est un peu, c'est lié bien évidemment. Mais c'est un cas particulier. Katav la Kohen, Shu Chayav lo Chamesh Slaim. Je devais payer les 5 slaïm au Kohen. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais pas d'argent sur moi, mais je lui ai écrit une reconnaissance des dettes que je te dois 5 slaïm. Tout d'abord, une petite introduction. Si je vous écris que je te dois 1000 shekels et je signe, je le donne maintenant au receveur, eh bien, je lui dois maintenant 1000 shekels. Ça m'a engagé. Le fait de donner un shtar écrit et signé par ma main, maintenant, il pourra me réclamer les 1000 shekels. Il m'a dit, tu me fais une reconnaissance de dette. Ça, même s'il n'y a pas eu de dette initialement, par là, par ça, je m'engage. Ça, c'est sûr. Du coup, puisque je peux faire une reconnaissance des dettes pareil, peut-être je pourrais lui faire le Pidyon HaBen. Ainsi. Alors, lui, écrire que je lui dois 200 shekels, je ne sais pas comment c'est le Pidyon HaBen, mais j'imagine 200 shekels plus ou moins. Lui écrire que je lui dois 200 shekels et que je lui donne. Alors là, c'est sûr que ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que c'est un shtar. C'est un plus... C'est pire que le shtar en réalité, mais bon, on ne va pas entrer dans trop de détails. Mais en tout cas, c'est au moins un shtar, donc ça ne marche pas de faire un juspaï, de faire le Pidyon HaBen. Mais la Mishnah, elle m'apprend quelque chose de très dur. Elle m'a dit, si tu écris au Kohen que tu lui dois 200 shekels pour le Pidyon HaBen, et tu lui donnes le papier, eh bien tu lui dois les 200 shekels. Tu vas les payer. Et lorsque tu vas les payer, tu ne vas pas faire le Pidyon HaBen par cela. Pour quelle raison ? Xera de Rabbanan, Behemet, selon la Torah, depuis le moment où tu vas sortir l'argent, tu vas les payer, par ça tu vas t'acquitter de la mise à Pidyon HaBen. Mais, puisqu'on a peur que les gens ils vont voir, ils vont croire que l'on peut faire le Pidyon HaBen en donnant un shtar, Rami met dans un knas que tu dois payer, tu vas les payer, et quand tu vas payer, tu ne vas pas t'acquitter, tu vas devoir sortir 200 shekels supplémentaires pour faire de nouveau le Pidyon HaBen. D'accord ? C'est ce que la Mishnah me dit. Katav la Kohen, Shur Chayav lo, il a écrit au Kohen qu'il lui doit Chamesh Slaim, il lui doit les 5 slaim du Pidyon HaBen. Chayav l'iten lo, il devra lui donner. Il est obligé de lui donner. Au Bnoeno Padouy. Et son fils ne sera pas racheté. Et là, la Mishnah continue en disant une phrase assez complexe, qui va y avoir un diouk un peu important. Je traduis. L'efficar, pour cette raison, puisque je t'impose de donner l'argent, et que lorsque tu lui donneras l'argent, ton fils ne sera pas racheté de toute façon. L'efficar, c'est pour cela que Imratza Kohen l'itenlo matana rachai. Si le Kohen décide, accepte de lui rendre en retour ce contrat, cette reconnaissance de dette, alors il est en droit. Phrase apparemment innocente, mais très violente. Parce que là, il va y avoir une halakha qui n'est pas exacte à déduire, qui va falloir raboter pour apprendre exactement ce qu'il y a écrit. Je m'explique. Mon fils est né, est né. Et j'ai écrit au Kohen, je lui dois 200 shekels pour le Pidyon HaBen, et je le lui donne. D'accord ? Et après... Après un mois, deux mois, trois mois, j'ai enfin de l'argent, je vais voir le coach, je vais faire, allez viens, je te paye ma dette maintenant. Tiens, les 200 shekels en cash, rends-moi mon papier, il me rend le papier. Donc mon fils, il n'est pas racheté. D'accord, mais j'étais malgré tout obligé de lui donner cet argent. C'est ce qu'il y a écrit dans la Mishnah. La Mishnah me dit, bah, puisque quand je vais lui payer, mon fils, il ne va pas être racheté, c'est pour cela que si le coach veut, il peut me rendre le shtar. A priori, au lieu d'attendre au bout de deux mois, imaginez au bout d'une semaine, on entend au cours du Rav à la Beth Knesset, il nous dit non, ça marche pas de faire une chose pareille. Il me dit ah, alors tu m'as donné ce papier pour rien. La Mishnah me dit ben, si tu veux, toi, Cohen, tu as qu'à me rendre le papier. Vous allez me dire, c'est toujours innocent. C'est vrai, mais c'est pas innocent du tout. Parce que là, ça signifie que la Mishnah, elle a besoin de me dire que parce que l'argent que je vais lui donner, ça demande, je fais rien avec cet argent, alors le Cohen a le droit de me le rendre. Ça signifie que si toutefois. L'argent que je lui donne, ça marcherait pour faire le Pidyon HaBen, et bien le Cohen, il n'aurait pas le droit de me le rendre. C'est toujours innocent. Vous avez déjà vu comment ça se passe en Pidyon HaBen ? Là, une grande partie des Kohanim rendent l'argent. Une fois qu'on a fini de les payer, ils nous rendent l'argent. Il y en a plein qui font intégralement pire que ça. Je me souviens en France, c'était une. Aujourd'hui, dans le monde d'Avril, en général,
un vrai Cohen qui vient, il va, ça lui fait une belle petite parnassa, c'est sympathique, ça fait pas de mal. Il fait 5-6 pidyon à peine par mois, ça lui fait une petite entrée de méchekel par mois, pourquoi pas. Et dès qu'il repose en faux, c'est la Torah qui l'a imposé. D'accord ? Donc, c'est une petite entrée. En tout cas, c'est fréquent chez un Cohen qu'une fois qu'on a fini le pidyon à peine, il rend l'argent. Moi, personnellement, quand j'ai fait le pidyon à peine de mon fils, après, le Cohen, il y avait 5 pièces, il m'en a fait cadeau une. Ouais, ça c'était un Cohen, en fait, je sais pourquoi il a fait une. On va l'apprendre tout de suite pourquoi il en a. Je pense qu'il en a fait. Je pense que c'est ça la raison pourquoi il m'en donne qu'une. Mais en tout cas, c'était fréquent. Une fois qu'on a fini de faire le pidyon à peine, le Cohen, par mesure de. Oh, ça va, moi, hein, je suis un docteur. Et donc, il va me rendre l'argent. Eh bien, il faut déduire de la Mishnah que c'est interdit de faire ça. C'est pas exact. Mais pour le moment, c'est la déduction qu'il faut faire. C'est là. Forcément, il faut déduire ça de la Mishnah, parce que la Mishnah nous dit puisque l'argent que je vais donner au Cohen, ça sert pas à faire le pidyon à peine, c'est pour cela que le Cohen, il a le droit de me le rendre. Donc, si toutefois je vais lui donner de l'argent, que par cet argent je vais lui faire le pidyon à peine, alors là, le Cohen, il n'aura plus le droit de me le rendre. Donc, il y a marqué dans la Mishnah, il faut déduire de la Mishnah que c'est interdit de rendre l'argent. Le Barthénois soulève le problème. Il rapporte en fait des déduits de la Gemara qu'effectivement, il y a dans certains cas de figure un interdit à ce que le Cohen y rende l'argent. Tout simplement, si toutefois le père qui donne l'argent, il louche sur le Cohen, c'est presque tacitement admis que quand je te donne l'argent, on fait la petite scène là, du pied de la main, après tu me le rends. C'est une évidence entre nous, alors effectivement, il ne pourra pas me rendre l'argent. Si toutefois je lui donne complètement avec intention de lui donner, et après, lui, il a envie de me refaire cadeau, il me faut rendre l'argent, là, il n'y a pas de problème. Mais si toutefois, je le donne en espérant qu'on va faire le petit tekes, le petit, comment dire, la petite mise en scène de l'autre truc, mais en espérant qu'il me le rende tout de suite, et lui, c'est évident qu'il va me le rendre tout de suite, et bien, ben, on s'acquitte pas. On ne s'acquitte pas du pidyon à peine comme ça, le partenaire, il rapporte. Il faut nécessairement, donc, que je le donne. Sauf à une exception à la règle. C'est justement le cas où je vais lui donner de l'argent, alors que de toute façon, l'argent que je vais lui donner, je ne vais pas m'en inquiéter. Dans ce cas pareil, la Torah, ta Chachamim m'ont imposé que tu redonnes, quand j'écris le fameux contrat de la reconnaissance de dette. Alors, ma Chachamim m'ont dit non, tu devras lui donner, et quand tu lui donneras, tu ne t'acquitteras pas. Dans ce cas de figure, je pourrais lui donner, même avec un intention qui me le rende tout de suite. Dans ce cas-là, c'est bon. D'accord ? C'est ce qu'il faut déduire. De là, je n'ai pas vu écrit, mais j'imagine que mon fameux Cohen, qui est un Talmid Chacham, avec qui j'ai racheté mon fils, il m'a donné juste une seule pièce. Sûrement d'abord pour me faire un petit cadeau et qu'il voulait un peu en garder pour lui. C'est peut-être la première raison la plus évidente. Mais même aussi, je pense que le fait qu'il rende une partie de l'argent et pas une autre partie de l'argent, alors ça laisse le sentiment que d'abord, pour le moment, il a reçu. Il en fait ce qu'il veut. Après, il veut me faire un petit cadeau. Un petit cadeau souvenir, d'accord ? Et on continue avec la deuxième partie de la Mishnah. Hamafrish pidyon beno ve'avad chayav b'achariyuto. Celui qui va prélever l'argent pour le donner au Kohen, mais qu'après cet argent, il a été perdu, eh bien, il est chayav b'achariyuto. Il doit garantir cet argent. C'est-à-dire, à la différence justement du Peter Hamor, on finit d'abord la phrase comme ça, on s'en s'acquitter. Chez Nehemar, comme le pasuk nous dit, yelach ou pado tifde, comme le pasuk nous dit, pas nous dit, en fait, il dit à Aaron. Hachem qui parle à Aaron et qui te dit, et qui lui dit, les Bechorot, ils sont à toi, et leur rachat, tu le récupéreras. Donc, la Torah insiste en fait que le pidyon à ben n'entre en vigueur, ne fonctionne que lorsque le Kohen va le recevoir. À la différence justement du Peter Hamor, on avait appris que pour le Peter Hamor, lorsque j'ai un âne qui est né, un ânon mâle qui est né en première naissance, il a une gdusha, et il faut racheter la gdusha, la faire passer sur un mouton et donner son mouton au Kohen. Depuis le moment où je fais passer la gdusha au mouton, la gdusha, elle est passée sous le mouton et c'est devenu l'argent du Kohen. Maintenant, je le donne au Kohen et le Hamor, je peux l'utiliser. Et même si après le mouton, je le perds, je me suis acquitté. Je ne suis pas chayav barariyut. Je ne dois pas garantir ce bien. À la différence justement du bidyan aben, que même si j'ai prélevé l'argent, eh bien, tant que je n'ai pas donné l'argent au Kohen, cet argent-là ne m'a pas acquitté de mes aides pidyan aben. Il faudrait que j'apporte un autre argent pour le donner au Kohen. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine d'aslacha kol tov.